Sous le bouillipo, je l'ai caché. Je te jure, toi. Hein? T'es sous les chinamis qui m'appelle. Alors, Mila, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Il est 11h30, on peut passer parce que là, je suis en train de faire à manger. J'avais fait déjà cuire les pâtes avant d'aller chercher gros petit cucu d'amour. Et après, la prise était chaude. Ah, tu. Comment t'as fait? Ben, j'ai la prise. Ah, t'avais pas enlevé hier alors? T'avais pas fermé les pages? Ma fille. Le cœur. Ah ouais, bon, on est en train d'imprimer pendant que moi je suis en train de faire. Tu veux que je te mette du ketchup dans tes pâtes? Et il reste de la sauce blanche au pire des cas. Que t'aimes bien là-bas. Yes. Va me chercher au frigo alors que je te la mets dans tes pâtes. De l'ail pour moi, pas pour toi. Alors ça sent l'ail. Ça pue l'ail. Gna gna. Mes bébés, ils ont peur de l'ail, alors ils s'en vont. Tiens, gros cucu. Viens ici. Ah, tu veux que je découpe un morceau tes crêpes? Oui. T'as la coupe en morceaux? Là, regardez la séance. Ça sentit. Attends. Et le marque-page. C'est en fait, c'est le bas. C'est le bas qui a fait ça. Oui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, ce week-end, j'étais toute seule vu que j'avais pas Morgane, elle était chez Marlène. Tiens, mon cœur, c'est prêt. Ouais, allez, moi je vais manger sur le bureau. Là-bas. Thank you. De rien. Ouais, ce week-end, elle était chez Marlène. C'est très bien, mon cœur. Alors, faut que j'étais tranquille. On a pas fait grand-chose. Quoi, si hier, quand je l'ai récupéré, j'ai fait ma coloration. Un peu. Là, il fallait vraiment que je la fasse. Et... après, on est resté tranquille. Qu'est-ce que je voulais qu'on fasse? Sur lequel, de toute façon, il faisait pas tellement beau aussi. Quoi, à part si samedi, il faisait beau, j'avais tout ouvert. Mais hier, il faisait froid quand même. Et aujourd'hui, il y a du vent, il fait froid. Mais bon, de toute façon, moi, là, cet après-midi, je travaille pas. Alors, je vais pouvoir vider mon lave-vaisselle que j'ai mis à tourner hier. J'ai 2-3 machines à faire tourner. Bon, parce que si vous voulez, je suis en train de faire un tri dans toutes les affaires à mon régal qui lui sont trop petites. Et je les mets de côté, je vais les donner à ma soeur. Et je voudrais les laver comme ça, vu qu'il y a de la poussière et tout. Et je vais lui laver comme ça sera nickel. Là, j'ai retrouvé 2-3 couvertures aussi, parce que j'avais un placard. J'ai un placard où c'est où je range tous mes produits de beauté, je sais pas. Et je cherchais ma coloration hier, dans ce placard. Et en fait, j'ai retrouvé pas mal de trucs. Des serviettes, des draps. Il va falloir que je les lave. Et que là, je termine de faire le tri. Comme ça.
C'est une bonne journée tranquille. Parce que j'ai pas envie de prendre la tête. Là, j'ai juste rangé, nettoyé un peu. Et voilà. Pas me prendre la tête. Le sec, je crois que je remplisse. Voilà, voilà, là j'ai fait des pâtes, c'est très pour mon pour Morgane, moi je prends que des pâtes. Oui, là des fois les pâtes, j'aime bien les faire revenir à la poêle. C'est ça. Ça donne un petit goût. Quand on disait, j'avais fait cuire ou quoi, ou même quand elle tombe la veille, j'ai fait des fois faire ça. Et voilà. Ouh. Oh purée. J'ai pas beaucoup dormi en plus cette nuit. Ça, mais... Oh. Mais bon, c'est pas grave. On va se motiver après Morgane parce que c'est à la piscine aujourd'hui. Il faut qu'elle mette son maillot. Et gros cul, faudra pas que tu oublies de mettre ton maillot. Faudra que tu mettes ton maillot tout à l'heure. J'en ai rien à faire que t'aies la flemme ou pas. Faudra que tu mettes ton maillot tout à l'heure. Vu qu'elle a la piscine. Et voilà. En plus, elle est contente parce qu'il y a des BTS, quoi. Alors, elle écoute ça, elle y chante en même temps. Ah, ça, ça va là. Ça... Ouais, il faut que je remplisse mon sel. Ouais, il n'y en avait plus. Alors, elle est en train de chanter en même temps qu'elle imprime ses dessins. Je vous jure. C'est mon bébé. Hop, là. Là, c'est trop. Ça, c'est bon. Il y a ma fille. Oh purée. Le poivre, non, maman. Ouais, c'est bon. Il y en a encore pas mal. Hop là. Hop là. Je vous dis à plus tard. On est mardi soir. 9h45. Il neige. Je tombe, je dors, parce qu'on a l'impression que tout s'arrête. C'est trop bien. Oui, il avait annoncé la neige. J'ai Fifi. Oui, il avait annoncé la neige. C'est apaisant et relaxant de voir tomber la neige. C'est trop beau. Et bon, il me faudrait quand même aller au travail. Et ma fille, toi tu t'en fous. C'est agréable. Regardez-moi ça. C'est trop beau.
Je vais prendre ma douche. Je vais aller me coucher. Je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est mercredi. Il est 7h30. Et je suis avec mes deux bébés. Plume et Noun. Plume. Voilà. Le pauvre Tuna. Et Plume. Ça fait une demi-heure que je suis debout. Et ça fait un peu plus d'un quart d'heure qu'elles sont là toutes les deux. Plume, de toute façon, c'est tous les matins qu'il faut faire la séance de câlinage. Tuna, c'est rare. Ça, on se câline. Mes deux amours. En plus, nous, il a bien enneigé hier. C'est blanc. Ou bien. Bon. Mais bon, c'était prévu. Non, mais en fait. J'ai dormi, mais je suis KO. Aujourd'hui, on va travailler ce matin. Après, on rentre à la maison. On y retourne cet après-midi. Tout à l'heure, quand je finis de travailler cet après-midi, j'irai chercher mon bébé. Parce qu'elle est chez Marlène. Et après, on rentre à la maison. Et voilà, demain, école. Ouais, demain école que demain j'ai rendez-vous avec son maître Morrigan. Parce que hier on a. Je suis arrivée à voir l'NDPH. Par contre, ceux qui s'y connaissent NDPH, qu'ils ont fait un dossier comme ça pour être dyslexique ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'en avais demandé, vous savez qu'elle est une personne avec elle en classe constamment, pour pouvoir l'aider, parce que c'est vrai qu'il faut être plus longtemps, plus souvent avec Morrigan, parce qu'elle a du mal à comprendre des phrases, certaines choses, il faut bien lui expliquer, ou lui faire des exemples. Bon, en fait, ils l'ont accordé que la classe Ulysse. Je croyais qu'ils les avaient accordés. Parce que sur le papier, c'est mal foutu, j'ai pas tout compris non plus. Et apparemment, même à l'école, ils n'avaient pas compris. Parce que quand j'avais reçu un papier de ceux qu'ils me proposaient, il y avait la classe Ulysse et une note d'âme. Bon, c'était marqué à domicile, mais on m'a dit non, mais ça peut être aussi à l'école, c'est pas un problème. Bon, j'ai pas constaté ni quoi que ce soit. Et quand je suis arrivée à les avoir enfin hier, elle me fait oui, la classe Ulysse est accordée et une dame qui viendrait à domicile pour faire les devoirs à Morrigan, l'apprendre à s'habiller, à se laver et tout. J'ai fait non, mais il y a un problème. Et j'ai pas fait, c'est pas ça du tout que nous on a demandé, que c'est précisé dans le dossier et que les rapports de la psy, les rapports de l'orthophoniste et de la psy qu'on avait vu il y a plusieurs mois. C'est marqué dedans qu'il faut qu'elle soit accompagnée avec quelqu'un en classe. Ils appellent ça l'aide humaine, je crois. J'ai fait la personne à la maison, ça sert à rien. J'ai fait ma fille essayer de s'habiller, essayer de se laver toute seule, elle se débrouille très bien toute seule. J'ai les devoirs, elle est fait à l'étude de soir, que c'est précisé dans tout aussi les rapports. En fin de compte, ils ont accordé la classe Ulysse, que l'orthophoniste et la psy et tout, ils ont dit que la classe Ulysse lui servait à rien. Alors, je comprends pas. Alors, il y en a qui me disent que c'est tout à fait normal que si la classe Ulysse, on n'a pas droit à la classe humaine. Mais quand vous regardez sur Internet, on a droit aux deux. C'est pour ça que là, je campe total. Et que quand j'en ai parlé hier, son maître, il m'a fait non, il faudrait que vous veniez. Non, parce que j'adore quand on me dit, il y a des fois, mais de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre la dyslexie de votre fille. Je suis la mieux placée pour comprendre la dyslexie de ma fille parce que c'est rare. Ça arrive. Je crois qu'on est
ça arrive sur 1 sur 1 million. La dyslexique, ça je ne savais pas, mais je l'ai appris il n'y a pas bien longtemps aussi, c'est héréditaire. Certes, si vous avez des enfants, ils peuvent être dyslexiques. Si vous êtes, mais pas la même dyslexie que vous, ça peut être plus, un peu plus élevé ou très peu. Morrigan, un truc qui est hallucinant, c'est qu'elle a exactement la même dyslexie que moi. Elle fonctionne exactement pareil que moi. Alors, niveau de sa dyslexie, je sais très bien comment elle marche, vu que c'est exactement la même. Et ça, on en a vu, ça, je l'ai remarqué avec l'orthophoniste, quand je lui ai expliqué que moi aussi j'étais dyslexique et que je faisais exactement les mêmes fautes, que je confondais exactement les mêmes mots et que je fonctionnais exactement comme elle. Que je bloquais sur certaines choses exactement comme elle. Elle me fait, ça arrive, mais c'est très rare que les parents ont la même dyslexie que quoi? Que les enfants ont la même dyslexie que les parents. Alors, oui, je comprends très bien, exactement très bien sa dyslexie. Je sais comment elle fonctionne. Bon, certes, même si moi, il y a certaines lettres, je les écris différemment pour arriver à les reconnaître, je lui montre à Morrigan. Mais après, c'est vrai que bon, ça, c'est ma méthode. Il y a des fois, je lis des lettres que je vais reconnaître qu'elles vont être écrites en attaché. Ou quoi, en grosses lettres, là. Il y en a où j'arrive mieux à les écrire qu'elles sont en bâton, comme on dit, ou en attaché, ou... Ça dépend. Il y a certaines lettres, ouais, c'est comme ça que j'arrive à me repérer. Ou en majuscule. Mais Morrigan, ce problème, c'est qu'elle ne peut pas écrire différemment comme moi j'écris. Parce que bon, elle est à l'école. Et c'est vrai qu'elle, il faut qu'elle trouve sa notre méthode pour y arriver. Alors bon, vous donner des petites astuces comme ça pour pouvoir y arriver. Mais j'adore quand c'est comme ma sortie. Bon, de toute façon, vous ne connaissez pas Dyslexy Watchy. Chuchu. Exactement. Mais comment je sais que le plus important pour elle, c'est d'avoir la personne avec elle en classe. Parce que elle pourra, ou lui, je sais pas, la personne qui aura, l'aider mieux, parce qu'il faudra prendre plus de temps. Je sais que les maîtresses, les maîtres ou quoi que ce soit, ou les autres dames qui sont en classe, ne peuvent pas se permettre de passer un bon moment sur avec la même personne. Parce que voilà, il faut que Morgane, il faut bien lui expliquer des choses différemment. Il y a certaines choses, c'est différemment qu'il faut lui expliquer, ou faire un exemple où on comprend mieux. Que je sais qu'il y a des fois, mais moi je le vois, et elle aussi, je l'ai vu plus d'une fois, que quand vous lisez une phrase, le temps que vos mots se mettent en place dans votre tête, voyez la phrase que ça veut dire et ce que vous devez faire, c'est un peu compliqué. Et ça met plus de temps à comprendre. Mais bon, c'est... Alors là, voilà, j'ai rendez-vous jeudi pour voir ce qu'on peut mettre en place pour Morrigan. Et moi, là, il faut que je peux constater qu'en quoi il y a eu une erreur et qu'en fin de compte, ce que nous, on réclamait, ce n'était pas du tout... La seule chose que nous, on a réclamé, c'est ce truc qu'on n'a pas eu. La classe Ulysse, ça, on ne la réclamait pas parce qu'elle est depuis le CP et tout. Les personnes à domicile, ben, je veux dire au revoir, ça ne sert à rien. Et qu'en gros, je demande une personne qui soit constamment en classe avec elle. Voilà. Tout simplement. Ça, j'ai la secrétaire m'a dit que je pouvais faire la demande et ça repassera en commission. Parce que c'est des trucs qui ne me conviennent pas aussi. Alors, quand j'ai la secrétaire, j'ai fait, mais pourtant, c'est marqué dans tous les documents, toutes les personnes qu'on m'avait envoyé voir, quoi que ce soit, pour avoir une... Les documents, c'est marqué dans tous les rapports qu'il faut quelqu'un en classe. Au début, elle me fait non, si, lisez bien mon dossier, vous verrez bien que tout est marqué. Que ce soit l'absil, l'orthophoniste ou quoi que ce soit, tout est marqué. Et au bout d'un moment, elle me fait, ah oui, c'est bien marqué. J'ai fait, oui, en gros, vous ne lisez pas les dossiers, quoi. Les papiers, on vous envoie, on prend des gens, on se fait chier à prendre des rendez-vous, à y aller et tout. Pour même pas que vous lisez quoi. Ce qui est réellement marqué.
C'est ça que je comprends pas. Mais bon, de toute façon, la vendredi, demain, je verrai bien comment ça va être. Et en fonction de ce qu'il y a, ben, j'écrirai un mail et une lettre en disant que non, nous, on demande une aide humaine. Non, la classe Ulysse. Non, une aide à domicile. Parce que Morgane, elle a plus besoin d'aide humaine qu'autre chose. Mais bon, on va voir. Parce que là, c'est vrai que moi, truc NDPH, je plane total. Je vois pas, je sais pas comment ça marche ni quoi que ce soit. Mais bon, alors voilà, demain on verra bien et en fonction de demain, ben, je recréerai une lettre et je ferai une demande. Notre demande de l'aide humaine à l'école qui soit là constamment pour Regan, quoi. C'est compliqué. C'est chiant. Ça commençait bien pour Morgane, mais non, il y a un truc qui bloque et ça le fait pas. On verra bien comment ça va se passer. Hein? Bon, mes fifilles, maman voudrait se lever. Est-ce qu'elle va aller s'habiller? Est-ce qu'après, il va falloir qu'elle aille au travail? Non, mais c'est ça, tous les matins. Les matins, c'est elle. Téna, c'est normalement le soir, mais là, elle est là ce matin. Bon, moi, je vais vous laisser, je vais aller m'habiller parce qu'après, il va falloir que j'aille au travail. Je vous dis à plus tard. Attention, ma fifi. Bon, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir, je suis explosée. Je viens de passer plus d'une heure à l'école de ma fille pour qu'il m'explique un peu tout que j'arrivais pas à comprendre. Voilà. Et comme je vous disais, je viens de passer plus d'une heure à l'école de ma fille pour parler un peu de la classe Ulysse, vu que j'y connais pas grand chose, à la NDPH non plus. Et que à la base, j'avais fait aussi la NDPH pour que ma fille ait une aide humaine. Donc, ils appellent ça. À l'école. Pour moi, égale. Et que ça n'était pas accordé. Qu'elle avait droit qu'à la classe Ulysse et une autre tome, mais ça. Le tome, ben, elle va servir à rien. En gros, comme eux, ils me disent que c'est beaucoup mieux qu'elle soit dans une classe Ulysse que qu'elle ait une aide humaine. Parce que l'aide humaine ne va pas lui servir beaucoup à grand chose. Vu que Morrigan, tout ce qui est pratique, elle est très douée, ça. C'est très bien, je le vois à la maison. Vous donnez un bout de carton, un morceau de polyester, elle vous fait de ces trucs, c'est hallucinant. Voilà, comme on disait qu'en gros, Morgane, c'est mieux de la classe Ulysse parce que la classe Ulysse aide mieux, les aide mieux et appuie mieux sur là où ils ont des difficultés comme en français et en écriture et en lecture. Alors bon, passer une heure où. Ben, m'expliquer tout, comment ça marchait, comment ça allait marcher après, les trucs que j'ai à faire ou pas. Bon, j'ai une lettre envoyée, mais il faut que j'attende ce punaise de un papier. Et voilà, c'est. Là, je. Fatigue. Là, je sais que au moins Morrigan s'est mis en place. C'est. Bon, ça fait déjà un problème pour moi. Mais bon, c'est. Et alors, en plus, là, ils m'ont montré tous les trucs qu'elle fait. Elle fait des énormes progrès en tout. Et ça, c'est très. Elle fait des gros, gros, gros progrès. Et c'est très bien. Je suis très fière d'elle. Et... Je me dis, je me suis battue
2 ans et demi pour trouver une orthophoniste que j'ai trouvée. Je me suis battue depuis le mois de mai que j'ai rempli ce dossier d'un DPH. Certes, c'était pas ce que je m'attendais quand j'ai eu le résultat que je vous dis, ils m'ont demandé une aide humaine. C'était pas ça, et pour eux, au contraire, ils me disent que c'est 100 fois mieux qu'elle ait une... la classe Ulysse que l'aide humaine et que ça avance quoi. Ça a pris du temps, mais ça avance. C'est une bonne chose. Au moins, je sais que. Là, comme ils m'ont dit, ça peut se mettre en place d'ici un mois ou deux. En gros, là, après, ils vont voir pour voir ce qu'ils peuvent faire en classe. En plus, voir ce qu'ils peuvent mettre en plus pour aider mon régal. Mais je suis fière. Est-ce que ma fille a fait des progrès et, ça avance énormément. Et ça, je suis super contente que ça a mis plusieurs mois, mais. Merde, on y est arrivé quoi. On est arrivé à ce qu'elle est, ce qu'elle a besoin quoi. Ça a mis du temps, mais on y est arrivé quoi. Et ça, j'en suis. Et là, de voir aussi tous les progrès qu'elle fait à l'école et qui vont montrer les exercices qu'elle fait et tout, c'est super. Franchement, super. Oui, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux plus être plus fière que ça, ma fille. C'est... De toute façon, ma fille, c'est tout pour moi. Et de toute façon, vous savez, je fais tout et n'importe quoi pour elle, pour qu'elle y arrive. Pour qu'elle fasse encore plus de progrès et tout, et là je suis trop heureuse qu'elle y arrive quoi, que c'est bon quoi, je suis trop contente. Désolée mais là c'est, je suis tellement fatiguée, je suis tellement au bout de tous ces combats là, comme je dis c'est un combat en moins, ce que j'ai galéré, je l'ai fait toute seule, comme d'habitude. Quand ça concerne pas mal de choses, surtout ma fille, ben, je suis la seule qui se bat d'un côté pour, qui va se prendre les nerfs, qui va être énervée, qui. Et qu'en fin de compte, ben, ça prend du temps, mais on y est arrivé, quoi. Putain, je suis arrivée à ce que. Mis en place et que ça soit ok quoi. Là maintenant comme j'ai dit c'est un combat en moins. Enfin. Et bon. Ça c'est super. Ouais, c'est super que ça au moins c'est mis en place. C'est. Tu dis putain merde, tu t'es pas battu pour rien quoi. T'as pas galéré à. Passer des heures au téléphone, c'est pas pour rien. Certes, il y a des moments, bah oui, j'ai eu besoin d'aide parce que, bah, surtout pour remplir le dossier d'un DPH, parce que j'y connais que dalle et que. Purée, mais c'est compliqué à remplir ce truc en plus. C'est. Wow. C'est très compliqué à remplir. Mais putain, j'ai réussi, enfin. Je l'ai fait. Je l'ai rempli, je suis battue. Et on a ce que. Bon, certes, c'est pas madame comme on voulait qu'elle soit avec elle ou quoi que ce soit. Bah, apparemment, pour eux, comme on dit, c'est beaucoup mieux que l'aide humaine. Mais si c'est beaucoup mieux que ça puisse l'aider ou quoi que ce soit, bah ouais, je t'avoir acheté pas mal de trucs. Là, je leur ai montré le livre que j'ai acheté de spécial dyslexique que j'avais trouvé à l'ETRU et tout. Qui m'ont dit non, que c'était une très bonne chose, qu'au contraire, plus c'est des trucs qui vont la faire jouer,
plus elle va mieux y arriver et qu'il n'y a aucun problème. Ça me rassure de voir qu'en fin de compte, à l'école, maintenant, ça commence à aller mieux et que... C'est super, quoi. Et qu'elle avance. Oui, je sais, c'est bien, mais... Quand vous êtes maman, vous êtes toujours fière de vos enfants et j'en suis horriblement fière de ma fille. Je suis horriblement heureuse des progrès qu'elle fait, d'avancer et que... Depuis 2 ans et demi qu'on se bat, ben, en fait, c'est arrivé. Elle a droit à ce qu'elle a droit et ça avance. Et au moins, elle va pouvoir, ils vont pouvoir l'aider encore mieux. Même si ben, moi, à côté, je continuerai toujours à essayer de trouver des trucs qui peuvent l'intéresser, l'aider ou quoi que ce soit. Je suis contente. Je suis heureuse parce que enfin, ça s'est fait. Et là, je peux vous dire que c'est un combat que... Au moins un que c'est fini et que qu'on a rêvé jusqu'au bout quoi. Et que tout s'est mis en place et que c'est bon maintenant, c'est jusqu'au bout quoi. Mais bon, il en reste encore pas mal, mais bon, sachez qu'au moins sur celui-là je peux souffler et me dire ça y est, c'est bon. Et là, c'est bon, c'est... Il faut juste que j'envoie une lettre, mais bon, comme ils m'ont dit, ça va être accepté, c'est parce que comme là où je vis à Mende, il n'y a que 2 écoles qui ont classé Ulysse, comme ils ont dit, il faut juste faire une lettre que c'est l'école qu'ils m'ont faite pour dire qu'ils préféraient garder Morrigan dans l'école voilée, vu qu'elle a l'habitude d'être là, quoi, dans cette école, et qu'ils la connaissent, qu'ils savent réellement les problèmes et tout qu'elle a. Il fait en général, ça, ils acceptent tout de suite, s'il n'y a aucun problème, il fait sur ce pour être tranquille. Et ce qui m'a rassuré encore plus, c'est que la maîtresse qui est la classe Ulysse, qui m'a dit, on fera régulièrement des réunions où on parlera de progrès que Morgan a fait, des trucs qu'il a mis en place. C'est ça que je demandais depuis le début, qu'on m'explique tout. Et que là, bah oui, je suis tombée sur une personne qui m'a offert expliquer. Certes, j'ai passé plus d'une heure à l'école. Je suis crevée, mais pour ma fille, je fais n'importe quoi. Et enfin, maintenant, je sais et je peux poser des mots sur pas mal de mes questions quoi. C'est ça que je suis non mais là je sais l'impression qu'il est en train de retomber parce que là je vous jure ça fait au moins que je peux plus. Ah non mais là je suis contente que ça s'est fait. Mais bon, on a encore pas mal de parcours à faire. Mais on est sur la bonne voie. On y arrive. On y arrive, c'est le principal. Oh, voilà. Désolée, mais là... Ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien de voir que... Ça avance et qu'en fin de compte, il fallait attendre et en fait, ça valait le coup. Ça valait bien le coup d'attendre et d'être patient. Alors voilà. Bon. Oui, le soir, je fais pizza, j'ai trop la flemme. J'ai pas le coup du tout. Et ce soir, c'est pizza et voilà. Là, ce week-end, en plus, elle est chez ma reine. Ah voilà, bon, moi je vous dis à plus tard. Bonjour, on est vendredi, il est 13h, je viens de rentrer du travail. Quoi, ça fait 10 minutes que je suis rentrée, avant de repartir. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un problème en quelque part? Oui, Téna, t'as bien une plume sur toi. Non, mon fifi. Tout va bien. Tout va très bien. Là, là. Est-ce que cette merdouzette là, la petite plume, ne supporte pas quand j'ai Téna qui vient se coller à moi comme elle fait depuis qu'elle est petite. C'est ma fille, ça va faire bientôt 2 ans qu'elle me fait ça, de se coller contre moi quand elle est petite. Et depuis qu'on a Plume, elle me fait pareil aussi. Elle ne supporte pas que Téna, quand elle vient se coller contre moi,
Je ne le supporte pas. Faut qu'elle vire. Alors, il y a des fois, elles peuvent être ensemble toutes les deux, c'est pas un souci. Elles sont collées contre moi toutes les deux, c'est pas un problème. Mais il y a des fois, c'est même pas la peine. Ah, je vous jure. On les aime, nos bébés. Non, là, ouais, là, je suis vite rentrée parce que là, je reprends à 2 h. Parce que là où je travaille, il fait de midi et demi jusqu'à 1 h 45. Et moi, je vais y aller à 2 h jusqu'à 3 h. Après, je vais aller faire 4 courses. Pour Pâques. Aussi. Acheter des œufs. Quoi, si je peux trouver un sachet d'œufs. Et voilà. Et faire 4 courses pour la maison. Et pour mes merdousées. Est-ce qu'il en reste que 2 boîtes de pâteux? Voilà. Et en plus, il pleut aujourd'hui. C'est horrible. Mais bon. C'est comme ça. Voilà, il fait du vent et je suis KO et j'ai mal au dos. C'est horrible. Mais là, quand il pleut, quand il fait froid, le temps, ça me réussit pas du tout. Ça me fait plus mal. Mais bon. C'est pas grave. Ce soir, on prendra un cachet après avoir déposé mon Reagan chez Marlène. Parce que si je prends un cachet maintenant, je vais m'endormir et c'est pas le but. Mais vraiment, vraiment pas le but. Du tout. Oh là. Ouh. Oh. Ouh, viens la motte et nous. Puis me partir faire dodo ailleurs. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller me faire un café. Et après, on va retourner travailler. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Non. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, quoi, tout à l'heure. Là, on est toujours vendredi. Au bout de 3 h 30, presque 4 h même. Et je voulais aller faire des courses. Pas plus. Parce que comment dire que le parking à l'intérieur du magasin, à l'extérieur, une seconde petit cul, est blindé. Je suis juste allée faire vite fait à Picard la 4 petites courses pour ce week-end. Je vais vous montrer. Et demain, bah, j'irai faire les courses demain matin de bonne heure, quoi. J'irai à 8 h et là. Oui, attends mon bébé, une seconde. J'irai à 8 h faire les courses parce que là c'était blindé de chez blindé. Et j'ai fait, c'est pas possible, je sais que je serai pas sortie à temps. Alors j'y sais, c'est pas grave. Une seconde. Une seconde. On ira demain. Vite fait. Et voilà. Alors, attendez, je vais tomber la patoue. Oui, oui. Allez, on pousse les petits cucus. Ah, pardon-moi, Vivi. J'ai pas vu ta queue. Voilà. Hein? Je vais y arriver. Non, c'est que j'en ai une qui m'a cassé. Attendez. Non, c'est que j'en ai une qui m'a cassé ma bouteille où je mets mes fleurs dedans. Et je retrouve encore des bouts de verre. Même si j'ai ramassé, j'en retrouve encore. Ouais, alors je suis tout à fait allée à Picard vite fait. Et je me suis pris de la glace à notre coco. Comme ça, avec un 2 € et quelques. Des hamburgers comme ça. Moi aussi, ils étaient à 2 € et quelques. Et franchement, ceux-là sont super bons. J'ai pris des mouchis. Eux, sont à 5 € presque 6 €. C'est à la passion litchi fraise.
Mouchi Mouchi, mon Mouchi Mouchi, elle adore ça. Elle aime pas qu'on l'appelle Mouchi Mouchi. Elle s'énerve. J'ai pris ça du poulet. Non, c'est du porc au caramel et au riz à la coriandre. Voilà. Des croissants. Non, pardon, des pains au chocolat. Alors, ces frites, elle les adore et franchement, elles sont super bonnes. Elles sont pas chères, elles sont à 3 euros. Et j'ai pris un macaron à la framboise. Voilà. Moi, j'en ai pour 23 euros. Au fond, les prendre en position des. Ah, voilà, je vais manger tout ça. Et après, je vais aller chercher mon bébé. Et voilà. Il faut préparer ses affaires. Et aller chercher mon bébé. Bon, bah écoutez, moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end de Pâques. Une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.